ils ne subsisteront pas. Parce qu'en vérité, ils ne se sont pas levés contre toi. Ils se sont levés contre Dieu, contre celui qui te garde, contre celui qui te protège. Et la moralité, c'est quoi aussi? C'est que nous ne devons pas avoir des problèmes entre nous. Nous, nous devons être une même famille, unie. Parce que Dieu ne peut pas combattre Dieu. Le Dieu qui est en moi ne peut pas combattre le Dieu qui est dans Eric. Est-ce que nous sommes ensemble? Voyez, bien-aimé, David, il est pourchassé par Saül. Saül est un homme de Dieu, loin par Dieu. C'est vrai qu'il se retrouve dans une situation où Dieu l'a rejeté. De l'autre côté, il y a Goliath, qui n'est pas loin par Dieu, qui est ennemi de Dieu. David se lève et tue Goliath. Mais il a l'occasion de tuer Saül, mais il ne l'a pas touché. Pourquoi? Parce que Saül, c'est un homme loin. Si Saül a des problèmes, c'est avec Dieu. Mais il n'a pas de problème avec David. Saül, il est jaloux de David. Mais David distingue que cet homme n'est pas n'importe qui. Il a l'onction pour tuer les ennemis, mais il n'a pas l'onction pour tuer un homme loin. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, lorsqu'il arrive de combattre, ne confondez pas les ennemis. Ne confondez pas les gens à combattre. Par peur, comme disait Gamaliel, que nous combattions Dieu lui-même. Peuple de Dieu, est-ce que nous sommes ensemble? Donc, nous nous retrouvons dans ce désert d'Étham. Même si la mer rouge est devant, un obstacle que nous ne savons pas comment nous allons le traverser, ce qui est sûr, c'est que Dieu nous permettra de passer. Deuxième exemple, le désert de Chour. Le premier, je dois donner la référence, vous pouvez voir dans Exode 13 et 14. Et toujours dans Exode 14, Dieu dit à Moïse et au peuple. Moïse répète ses paroles au peuple. Il dit, vous gardez silence, l'Éternel fera quoi? L'Éternel combattra pour vous. Donc tu peux distinguer dans quel combat et dans quelle situation tu es. Il y a des situations où il ne faut pas parler. Laisse Dieu agir. Même si tu as la démangeaison pour parler, il y a des situations où il faut laisser Dieu. Laisse Dieu agir. Le désert de Chour, c'est le deuxième désert. Exode 15, 22. Nous en avions beaucoup parlé, d'ailleurs je pense que j'avais commencé par là. Lorsqu'il traverse la mer rouge, et qu'ils se retrouvent maintenant de l'autre côté, et que les Égyptiens sont emportés, ils se mettent à chanter, ils se mettent à danser. Ils font un cantique à l'Éternel. Exode 15. Ça, c'est au commencement. Maintenant, vers le verset 22, ils se retrouvent qu'ils n'ont plus d'eau. Ils se mettent encore à murmurer et à parler en mal de Dieu et de leurs conducteurs et de leurs leaders. Parmi les gens qui dansaient, qui chantaient, il y avait Mariam. Je voudrais relever quelque chose qui me vient à l'esprit en rapport avec ce que je venais de dire. Il arrive un moment où Aaron et Myriam, ou Mariam selon d'autres traductions, se lèvent contre Moïse. Ils disent, est-ce que Dieu parle seulement à Moïse? Dieu parle, nous parle aussi. Pourquoi? Parce que Moïse avait épousé une étrangère. Et il parle en mal de Moïse.
Dieu entend ce qu'il disait. Et Dieu se fâche. Dieu parle à Moïse. Il ne parle pas à Aaron. Il ne parle pas à Myriam. Il parle à Moïse. Il dit, vous trois, sortez, allez en dehors du camp. Et maintenant, il s'adresse à eux. Vous avez osé mal parler de mon serviteur. Maintenant, suivez bien mes bien-aimés. Aaron a mal parlé de Moïse. Myriam aussi a mal parlé de Moïse. Mais quand Dieu frappe, il frappe Myriam. Il ne frappe pas Aaron. C'est Myriam qui attrape la lèpre. Mais Aaron n'attrape pas la lèpre. Parce qu'Aaron était sacrificateur. Parce qu'Aaron avait reçu une onction de Dieu. Ce pour dire, bien-aimé, si Aaron avait reçu la sacrificature, aujourd'hui, nous tous ici, nous avons cette sacrificature. À leur époque, il y avait quelques individus. Aujourd'hui, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Bien-aimé, chaque fois que tu parles contre un enfant de Dieu, tu te cherches toi-même des problèmes. Parce que pour Dieu, c'est un sacrificateur. Lorsque tu parles en mal de lui, tu as parlé en mal de la sacrificature. Donc tu peux avoir des problèmes à cause de cela. Apprenons à contrôler notre bouche, à contrôler nos lèvres, à ne pas, aujourd'hui il ne s'agit pas du pasteur. Je ne dis pas non, le pasteur c'est lui qui est homme ou un, il ne faut pas mal parler du pasteur. Je dis de nous tous parce que, et moi et vous, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Apprenons à ne dire que des choses positives et des choses bonnes. Si Eric a fait quelque chose de mauvais, je vais parler à Eric, je ne vais pas parler à quelqu'un d'autre. C'était une entre parenthèses. Au désert de Shur, qui veut dire c'est un mur, ils sont bloqués aussi. C'est là où il y a eu Mara. Des choses amères, l'eau amère. Ils ont traversé pendant 3 jours. Ils ont vu une oasis de loin. Ils ont espéré qu'ils allaient trouver de l'eau. Mais ils n'ont pas trouvé l'eau. Ils ont murmuré comme. Et l'eau qu'ils ont trouvée, c'était une eau amère. Et Dieu va leur indiquer, va indiquer à Moïse un bois à mettre là-dedans. Le peuple a murmuré, mais Moïse a crié vers Dieu. Notre leçon là, c'est quelle leçon? Quelle que soit la circonstance, qu'est-ce que nous faisons? Nous crions vers Dieu. Quel que soit le moment, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pauvreté, quel que soit le manque d'argent, quelle que soit la déception, en tout temps bien-aimé, qu'est-ce que nous devons apprendre à faire? Crier vers Dieu. Un enfant est turbulent. Parent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu cries vers Dieu. Un conjoint est difficile. Qu'est-ce que tu vas faire? Crier vers Dieu. Apprenons à parler peu aux hommes, mais plus à Dieu. Même la prière, bien-aimée, il faut apprendre à la cultiver. La prière, c'est un exercice difficile pour tout le monde. Mais si tu n'es pas discipliné toi-même, et si tu ne la cultives pas, tu n'apprendras pas à prier. Tu ne prendras pas le temps pour prier. Tu as besoin de la discipline personnelle. Tu as besoin aussi de cultiver l'exercice de parler à Dieu. Plus parler à Dieu et moins parler aux hommes. C'est une chose que tu dois cultiver, que nous devons cultiver. Tout le monde est contre Moïse. Mais que fait Moïse? Il va vers Dieu. Mais lorsque Dieu l'a fait sortir de l'Égypte, il ne lui avait pas dit qu'il y aurait Mara. Le problème de Moïse, ce n'est pas Mara. Le problème de Moïse, ce n'est pas la mer Rouge. Le problème de Moïse, c'est Dieu. Est-ce que Dieu est avec moi? Si Dieu est avec moi, même s'il y a la mer Rouge, Dieu trouvera la solution. Si Dieu est avec moi, même s'il y a des eaux amères, Dieu trouvera
la solution. Et remarquez, bien aimé, à quel moment Dieu leur donne des instructions. C'est lorsque ce peuple retrouve la joie. C'est lorsque le peuple comprend que c'est l'Éternel qui est leur joie, que Dieu leur parle. Et après cela, ils vont à Élim. Nous avons vu qu'Élim, c'est 12 sources et 70 palmiers. C'est un lieu de repos. Il y a l'eau, il y a le palmier qui symbolise beaucoup de choses. Il y avait une seule source qui était amère. Mais après la source amère, Dieu leur donne 12 sources de bonne eau. 12 est le chiffre de la perfection. Bien-aimé, au moment de l'amertume, au moment de difficulté, souviens-toi qu'après des moments de difficulté, il y aura des moments de gloire. Après des moments de difficulté, il y aura 12 sources. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après des moments de difficulté, il y aura 12 sources. S'il n'y a pas de moment de difficulté, il n'y aura pas de source après. Donc il faut qu'il y ait une source difficile avant pour qu'elle produise des sources faciles après. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Si on nous dit, et on nous l'a déjà dit, et nous savons que c'est faux, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. J'ai entendu, vous l'avez aussi entendu, un frère que j'aime bien, qui chante, qui dit, depuis que j'ai donné, tout est facile, tout est devenu facile. Non, les choses ne deviennent pas difficiles, ne deviennent pas faciles. Elles sont toujours comme elles étaient. Le problème, c'est notre vision qui a changé. Je ne regarde plus ces choses-là avec la vision d'hier. Je regarde les choses avec la vision renouvelée. Lorsque nous sommes à l'aéroport, les bâtiments de l'aéroport sont toujours grands. L'immeuble Sozacom, qui a changé de nom, Jekamine, est toujours grand. Mais lorsque tu prends l'avion et tu montes, tu regardes cet immeuble-là, tu le vois petit. Pourquoi? Parce que ta vision a changé. Tu le regardes d'en haut. Et nous, nous sommes des aigles. Nous regardons les choses selon la vision de l'aigle. Ceux qui sont en bas regardent avec la vision humaine. Mais nous, nous sommes de la même nature que l'aigle suprême. Nous sommes de la même nature que Dieu. Nous montons et nous regardons les choses selon Dieu. Ce qui est grand pour ceux qui sont sur terre n'est pas aussi grand pour ceux qui sont au ciel. Et c'est là où il nous a transportés. Bien-aimés, les maladies viendront. Bien-aimés, les mpiaka viendront, les déceptions viendront. Mais le problème, c'est que nous regardons ces choses différemment. Nous les regardons avec Dieu au-dedans de nous et nous au-dedans de Dieu. Il a pris notre place, il vit sur terre avec nous. Et nous avons pris aussi sa nature et nous regardons les choses selon Dieu. Ma prière, mon frère, ma soeur, c'est que la difficulté qu'Israël a eue pendant le désert, la difficulté qu'Israël a eue dans le désert, ou dans les difficultés, ou dans les moments même joyeux de notre vie. Nous devons savoir une chose, que nous ne sommes pas seuls, qu'il n'y a pas de hasard dans notre vie, que Dieu nous conduit toujours. Le troisième désert, c'est le désert de Sin.
Ces choses, je les donne en, dans l'espoir que lorsque vous retrouverez chez vous, vous étudierez ces choses. Ces choses, beaucoup de gens ne les connaissent que quand ils vont dans des écoles de théologie. Mais moi, je dis ces choses, le peuple doit le savoir. Parce que, et l'église, c'est ça l'école de théologie. On ne doit pas attendre d'aller dans une université de théologie quelque part. C'est aujourd'hui qu'il faut enseigner ces choses élevées à l'église pour que le peuple sache et que le peuple marche. Le désert de Sin, il est dans Exode 16. Après avoir passé un séjour à Élim, Dieu les conduit. Rappelez-vous, bien-aimés, qu'avant que le peuple ne bouge, il fallait que la colonne bouge. C'est-à-dire que chaque fois que ce peuple bougeait, c'est Dieu qui avait bougé. C'est Dieu qui avait déterminé quelle était la station où il devait aller, ou l'étape par laquelle devait passer. Et lorsqu'ils arrivent là, ils ont à nouveau faim. Ils pleurent toujours de la même manière. Ils murmurent toujours de la même manière. Pourquoi toujours nous? On n'a pas à boire. On n'a pas à manger. Quand on était en Égypte, on buvait bien. On mangeait bien. On faisait ceci. On faisait cela. Et Dieu leur envoie quelque chose. Il envoie la manne, il envoie l'écaille. Il leur donne la nourriture. Cette nourriture était valable pour un jour. Quelques-uns ont voulu la garder plus d'un jour. Et qu'est-ce qui est arrivé? Cette nourriture a péri. Mais lorsque Dieu parle à Moïse et Aaron, il leur dit, prenez le pain, la manne, allez la mettre dans l'arche. Ce que Dieu a ordonné n'a pas pourri, mais ce que Dieu n'a pas ordonné a pourri. Ma prière est la même pour notre vie. Qu'il y ait seulement des choses ordonnées par Dieu. Ce que Dieu aura ordonné dans notre vie ne pourrira jamais. Et même si cela venait à pourrir, Dieu va le ressusciter. Exactement comme il avait ressuscité Lazare. Mais ce que Dieu n'a pas ordonné finira par pourrir. Et cette manne cachée, elle était l'image de quelqu'un, l'image de Jésus-Christ. La manne cachée, elle existe, elle existera jusqu'aujourd'hui. Je veux dire que Jésus dans nos vies, il sera toujours là. Tant que nous lui offrirons notre cœur, il viendra. Si nous le laissons partir, il viendra toujours frapper. Il posera, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira, qu'est-ce que je ferai? J'entrerai et j'habiterai au milieu de lui. Beaucoup de gens ont professé la foi, mais Christ n'habite pas en eux. Retenez ce que je dis. Beaucoup de gens se déclarent chrétiens, mais lorsque vous examinez leur vie, Christ n'habite pas dans leur vie. Parce qu'ils ont parlé, mais ils n'ont pas ouvert. Un jour, Christ en prêchant, la Bible dit, les scribes crurent en lui, mais lui n'avait pas confiance en eux. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils croient pour, entre guillemets, pour un moment. C'est-à-dire qu'ils acceptent, mais Christ n'est pas l'habitation, ne trouve pas une habitation dans leur cœur. Christ ne trouve pas une habitation dans leur vie. La manne qu'ils ont mangée, à un moment donné, la Bible a dit, la manne c'est ça. Elle avait eu un commencement, elle a eu une fin. Maintenant, la manne cachée, qui est Jésus-Christ, n'a jamais eu de commencement, n'aura jamais de fin. Lorsque nous invitons Christ dans notre vie, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que les choses que Dieu peut donner dans notre vie, elles sont au-delà de ce que nous pensons. Alléluia. Je voudrais dire à l'Église, notre promesse à nous, elle n'est pas seulement la vie éternelle, elle est la vie d'aujourd'hui déjà.
Et même je peux corriger ce que je viens de dire. Notre vie éternelle, elle n'attend pas notre mort. Notre vie éternelle, elle commence déjà aujourd'hui. Il y a des gens qui attendent quand ils mourront, quand ils seront ressuscités. Non, nous, c'est déjà aujourd'hui que nous vivons la vie éternelle. C'est déjà aujourd'hui que nous acceptons la vie éternelle. C'est déjà aujourd'hui que malgré les déserts, malgré les difficultés, nous savons que Dieu est présent. Lorsque vous lisez Jean 6, Christ dit lui-même, c'est ici le vrai pain, le pain venu du ciel. La manne était une image de quelqu'un qui devait venir, de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui l'accomplissement de l'image. Aujourd'hui dans notre vie, dans ce que nous vivons, mon exhortation bien-aimée et qui est valable aussi pour moi-même, c'est qu'en tout temps tu appelles Dieu, c'est qu'en tout temps tu cherches Dieu. Désert de Sin, ils sont allés vers un autre désert, le désert de Sinaï. Mais avant d'arriver au désert de Sinaï, ces hommes, ils arrivent dans une ville qu'on appelle Rephidim. Cette ville, elle est dans Exode 17. Ici, c'est tellement important, bien-aimé, que je voudrais que nous le lisions. Exode 17. Exode 17. Toute l'assemblée, premier verset, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Toujours la même chose. Ils disent toujours la même chose. Et Moïse leur dit, pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Maintenant, lorsque nous allons plus loin, bien-aimés, nous voyons qu'Amalek est venu combattre. Verset 8. Amalek est venu combattre Israël à Rephidim. Moïse, qui a vieilli, s'adresse à Josué. Il lui dit, choisis-nous des hommes. Sors et va combattre Amalek. Bien-aimé, celui que Dieu avait choisi pour conduire, c'était Moïse. Maintenant, lorsque le combat est en face, Moïse choisit des hommes. Il choisit Josué. Il dit à Josué, toi choisis des hommes et sors, va combattre. Je le mets dans la cité de refuge. Je suis le pasteur de la cité de refuge. Mais les combats de la cité de refuge, c'est vous qui devez sortir et combattre. Je pensais que quelqu'un dirait Amen. Des Amen faibles. Mon débat pasteur, est-ce que... Ce qui m'a renvoyé changer, c'est que t'étais, ici nous voyons la Bible, Moïse dit à Josué, mais Josué pouvait répondre à Moïse, est-ce que j'étais au buisson ardent quand le buisson ne se consumait pas? Est-ce que moi j'étais là quand tu as fait des miracles là-bas en Égypte, les 10 plaies? Est-ce que moi j'étais là? Mais maintenant là, c'est moi que tu envoies devant. Chef de département, le pasteur dit que c'est vous qui devez sortir. Mais si j'avais dit, si vous serez la tête et non la queue, il y aurait des amens en désordre. Pour que vous visa, ceux qui ont été en train de se faire. La bénédiction du Père, la bénédiction du Père. Oh, papa, je vais quitter moi, je vais en centuple. Yo, botibana 4, tous les 4, attends, yo, je visa, te bango, je vais visa. Oh, qui n'est pas mené, bandit. Mais quand je dis que vous devez sortir pour combattre, aïe, mais c'est la vérité, vous devez sortir pour combattre.
C'est Maman Vianney qui doit se lever pour combattre. C'est Verlin, c'est Papi, c'est Papa Freddy, c'est le chef, c'est le chef. Celui-là, j'ai même oublié son nom, je l'appelle toujours président. Pour me rappeler son nom, je dois réfléchir deux fois. C'est vous qui devez sortir pour combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vous qui êtes Josué. C'est vous qui devez vous lever, combattre pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que Josué n'a mon akimoto? Mais on lui a dit, va choisir. Il dit, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Mais qui combattait en bas? C'est Josué. Eux, ils priaient. Qui devait mourir? Ce sont les gens. On a dit qu'Israël a vaincu. C'est la longue action. Mais quand on est victorieux, il y a quand même des militaires qui meurent. C'est vrai ou c'est faux? Mais il y a des gens qui sont morts. Parce qu'ils ont compris que leur rôle, c'était d'aller combattre. Le rôle de Josué, c'était de Moïse, c'était d'aller prier. Levez-vous, peuple de Dieu. Combattez. Bien-aimés. Moi, ça me ferait mal de voir Dieu agir dans ma vie. Voir que j'entre dans mon territoire promis. Et de voir que vous n'entrez pas. Ça va me faire souffrir. Ça me fait souffrir. Il faut que chacun de nous entre. Il faut que chacun de nous goûte. Il faut que chacun de nous... Le miel là, que ça ne soit pas seulement pour les leaders, que chacun de nous éprouve les langues de Dieu. Sinon, je resterai chez moi, je prierai Dieu, il agirait pour moi et ma famille biologique, et ce serait... Mais il faut que chacun de nous vive la grandeur de Dieu dans sa vie. Et cela ne viendra pas chez les paresseux. C'est ça ma prière, bien-aimée. La paresse, elle est diabolique. La paresse spirituelle, elle est diabolique, bien-aimée. Au nom Mikolo, embouteillage et l'équipe. Mais embouteillage et l'équipe, nous sommes. D'ailleurs, nous prouvons notre amour pour Dieu quand les choses deviennent plus difficiles. Vous voulez voir Dieu, mais sachez que les embouteillages sont une opportunité pour voir Dieu. Les difficultés, bien-aimées, c'est, comme je l'avais dit l'autre fois, c'est la main tendue de Dieu pour te bénir. C'est quand les choses sont difficiles que ça passe. Chance pour Nayo. Mais Hermoko maladie, c'est une bénédiction parce qu'elle te ramène à Dieu. Hermoko le manque est une bénédiction parce qu'elle te ramène à Dieu. Parce que certaines personnes, quand ça va bien, Seigneur, je te dis merci à l'Ali. Donc il faut Hermoko makamo moi terrible pour sambela mingi. Surtout moi là. Pour moi-même, je peux laisser passer, mais s'il y a une chose qui touche les enfants, d'ailleurs, je pense que tous les parents, c'est comme ça. Pour toi-même, tu peux dormir, mais quand ça touche un enfant, même si c'est un enfant rebelle, Dieu merci, on n'en a pas. Mais ça, c'est pas là pour tous les parents. Même si l'enfant est rebelle, mais moi, c'est vrai ou c'est faux? Et moi, c'est valable pour la cité de refuge. Vous pouvez tout faire, ne touchez pas à ma cité de refuge. Et quand papa existait, faites tout, ne touchez pas à mon zengo. Amen. Cité de refuge.
Aujourd'hui, la bénédiction, elle dépend de toi. Aller de l'avant dépend de toi. Être heureux dépend de toi. Il y a des choses que Dieu... Donc, est-ce que quelqu'un comprend? Là, on va arracher chez le diable. Non. Quand... Vous savez, Dieu, il faut le prendre comme il est. Il a dit, si vous êtes comme des enfants, quand un papa n'était pas là, il revient, il commence à manger. Les grands enfants vont se gêner pour venir toucher. Mais le petit enfant, parfois même n'ayant pas lavé ses mains, il vient, il trouve un morceau de viande là, il prend. Maintenant, on le compte. Est-ce que tu as lavé tes mains? On ne lui reproche pas pourquoi il a pris. On lui demande, est-ce que tu as lavé tes mains? C'est comme ça qu'il faut être avec Dieu. Va chercher auprès de ton Père. Que le Père te demande, est-ce que tu as lavé tes mains? D'accord. Mais il ne va pas te reprocher pourquoi tu as pris. Il sait que c'est son droit. Si c'était l'enfant du voisin, on va le traiter de sorcier. Mais si c'est toi, c'est ton droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes, Dieu, ouvre-nous les yeux. Nous sommes un peuple heureux, un peuple béni, bien-aimé. Nous ne sommes pas n'importe qui. L'Éternel est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans le combat de la vie, bien-aimé, je te répète, Dieu a déjà pris position. Dieu est de ton côté dans les combats de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tes genoux te font mal, sache que Dieu est de ton côté. Ce n'est pas la douleur des genoux qui te sépare avec Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amalek est venu combattre. Mais eux, ils sont allés prier Dieu. C'est-à-dire, même s'ils étaient la meilleure armée, s'il n'y avait pas la prière, ils n'auraient pas vaincu. La preuve, c'est que quand les mains de Moïse baissaient, malgré leur entraînement, est-ce qu'ils gagnaient? Nous avons besoin de lever nos mains. Nous avons besoin d'aller vers Dieu. On nous a, s'il y a un peuple enseigné, c'est le peuple de la cité de refuge. Nous avons les souvenirs. Nous avons des preuves. Le Dieu qui avait fait hier là, c'est le même Dieu, il n'a pas changé. Il peut faire aujourd'hui. Non seulement il peut, il va faire. Le problème, c'est qu'on a peur de demander à Dieu. Parfois, on a peur de commencer les choses. Moi, je t'exhorte, commence. Si Dieu est avec toi, n'attends pas une révélation. Il y a un jour, les gens qui s'amusaient dans la maison de Dieu, avec le peuple de Dieu, il n'a même pas entendu Dieu. Le zèle pour Dieu était trop fort. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Le zèle pour Dieu. Les gens viennent à l'église parce que tu viens à l'église. Mais le zèle. Comment on va définir le zèle? Voilà. L'amour chaleur. Tu comprends? L'amour chaleur là. Vous allez voir les gens qui se sont mariés depuis longtemps là. Papa est sorti le matin. Il est 18h. Maman n'a même pas appelé papa pour savoir comment ça va. Tu es où? Comment ça se passe? Mais quand ils étaient au début, 30 minutes après, texto, 1 heure après, appel, 2 heures après. Vous ne devez pas devenir comme ça. Alors, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Depuis le matin, il n'a pas parlé à Dieu. Il n'a pas senti Dieu. Il n'a rien, il n'a pas eu de révélation. À 8 heures, il part de l'embouteillage. Surtout vers chez nous, là, c'est terrible. On n'a pas beaucoup de route. Il part du matin au soir, c'est embouteillage. Comment ça va? Tout ça bien. Qu'est-ce qu'embouteillage?
Donc il n'a Dieu rien. Le zèle pour Dieu n'existe pas. J'exhorte quelqu'un à avoir le zèle pour Dieu. Bien aimé, le zèle pour Dieu, même quand tu ne possèdes pas, tu es joyeux. Parce que le zèle en lui-même, c'est une possession. Quelqu'un comprend ce que je dis. Moïse, il était malmené. Ces gens, ils étaient plus de 600 000. Moïse est malmené. Mais Moïse a le zèle pour Dieu. Est-ce que c'est possible? Je prie Dieu chaque jour que chacun de nous ait un amour chauffé pour Dieu. Un amour chaud. Comme un pain chaud avec une belle odeur là, pour Dieu. Et puis sachez bien aimé, lorsque vous avez le zèle pour Dieu, ce n'est pas au profit de Dieu, c'est au profit de l'homme. Ton zèle pour Dieu ne change pas Dieu. Ton zèle pour Dieu ne change que toi-même. Mon Dieu, ce peuple, lorsqu'il sort de l'Égypte, ou avant de sortir de l'Égypte, Pharaon leur dit, lors de la quatrième plaie, il leur dit, ne sortez plus, restez là, adorez même votre Dieu. Or, Dieu avait dit, laisse partir mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Suivez bien, bien-aimé. La parole de Dieu, c'était quoi? Laisse partir mon peuple pour qu'il aille faire quoi? M'adorer. Mais Pharaon, il leur dit, restez là, adorez même Dieu ici. Il y a deux volets. Le lieu où Dieu les attendait et la chose qu'ils devaient faire. Maintenant, on leur dit, restez là et faites la chose. Mais la chose n'a de signification qu'au lieu où Dieu attend. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. L'adoration, si elle ne se fait pas là où Dieu attend. Autrement dit, vous pouvez prendre une bonne décision, entre guillemets, mais au mauvais moment et au mauvais endroit. Elle devient mauvaise. Maintenant, lui, il leur dit, c'est dans Exode 8, il dit, allez sacrifier à votre Dieu. Exode 8, 25. Sacrifiez à votre Dieu dans le pays. Mais Dieu ne les attendait pas dans le pays. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'enseignement. Nous avons besoin de la compréhension des choses de Dieu. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'une fille, une jeune femme avec qui on travaille. Donc, il y a prié, jeûne et prière, il faut akendekara. Amen. Amen. Il faut être là où Dieu te veut. Amen. Et même à la résurrection, la Bible dit, ils sont allés à la montagne que Dieu leur avait indiquée. Pas à n'importe quelle montagne. Amen. Ici, Pharaon est en train de proposer un arrangement. C'est-à-dire un compromis. Beaucoup de gens ont fait des compromis avec Dieu ou avec la parole de Dieu. Tout compromis combat le zèle. Tout compromis, tout arrangement diminue le zèle. C'est-à-dire, bon, ma beza wapi, ce qui n'a pas été dit, il y a fali. Nathalie, n'a kaka. Tu vois une chrétienne, elle connaît tout. Je l'ai déjà dit, je crois, une maman pasteur qui était hospitalisée, elle était enceinte. Elle me dit,
Pasteur, nous comprendrons. Nous avons pour ça comme là. Nous avons bien pour ça comme la musique. J'ai dit, mais maman, pasteur, aïe, me dit que la grossesse n'est pas une excuse. Zeme. Ou non. Ngate, mais yango. Yango, yango, ndi mtu, yango, mtu lingin. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Mon nom qui laissait bébé nango, il faut sur la salle bon côté n'a besoin de n'aimer. Mais pourquoi tu n'acceptes pas d'échouer avec Dieu? Aujourd'hui ça n'existe plus. Hein? Parce que nous sommes dans le siècle de. Les gens ne voient que les choses extérieures. Distinction. Mais quand on va fouiller la distinction, il y avait beaucoup de tricheries, des fuites, des bimaki, et puis Bayawa. Pasteur Azui, a tangi communiqué, comme il n'est pas papa Jérôme. Voilà, il y a l'action des grâces de notre sœur Mafiti dit, Dieu, tu es. Eh ben, Ezer. Mais ce qu'on crée, Ben Ezer, wana, ma soumou na kati, mbeba na kati, large est le chemin qui mène à la destruction. Bien aimé, je répète une chose que j'ai déjà dit. Moi, je ne vais pas compromettre mon entrée dans l'éternité à cause de vous. Ou non, il faut donner des messages dans le sens du poil. Et puis, tu vas caresser dans le sens du poil et demain, je vais aller en enfer. Non, non, je suis en train de travailler pour entrer aussi dans l'éternité avec Dieu. Donc, j'ai l'obligation d'enseigner la vérité que je connais. Parce que je sais que là, je suis en train de s'aimer dans la banque du ciel. Le chemin qui mène dans la destruction, il est vaste. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui viennent d'arriver, je redis ce que j'avais dit. Aujourd'hui, le diable se cache aussi derrière les paroles des serviteurs de Dieu. Et dans l'entretemps, vous n'écrivez pas les versets bibliques. Tu ne connais pas des versets, mais tu connais ce que le pasteur Claude avait dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Tu ne connais pas. C'est diabolique, c'est un piège du diable. Je répète, ne mettez pas mes écrits. Mettez la parole de Dieu. Mettez les versets bibliques. Ne compromettez pas mon avenir. Ne compromettez pas mon éternité. Ne mettez pas mes belles paroles à la place des paroles de Dieu. Mettez la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le zèle est une chose énorme. Soyez zélés pour Dieu. Le compromis, voilà un mot. C'est le mélange. C'est ça le compromis. Voilà, il faut savoir arrondir les angles. Le péché, on n'arrondit pas les angles avec le péché. Le péché, il est quoi? Aux États-Unis, péché, au Congo, péché, partout, péché. Je posais la question à un frère. Il dit non, vous avec votre mentalité d'Afrique là. Donc il a maintenant cela, les jupes ici. Mais elles sont grandes de détail, comme leur papa et leur maman. Maintenant, il dit non, tu vois. Vous en Afrique, là, vous avez une mentalité. Mais il fallait qu'on remplace les cuisses, qu'on donne d'autres machines là-bas. Comme on allait dire au Canada, aux États-Unis, les cuisses deviennent des machines, mais elles sont toujours ce qu'elles sont. Le péché au Congo, il est péché. Aux États-Unis, il est péché. En Suède, il est péché. À Brikine, il est péché. À Bandal, il est péché. À Kitambo, il est quoi? Ne faites pas de compromis avec le péché. Il va te finir par te tuer. En fait, c'est un poison. Tu mélanges un poison avec ta vie, il va finir par faire quoi? Il va finir par te détruire. Pas de compromis avec le mal. Pas de compromis avec le péché, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parfois, nous nous taisons au lieu de parler. Oh non, faisons ce qui est correctement poli. Mais il y a des choses qui sont polies, mais diaboliques. Il y a des choses qui sont polies, mais sataniques. Oh non, il faut savoir, le savoir-vivre. Mais le savoir-vivre doit commencer. Savoir-vivre avec qui? On privilégie le savoir-vivre entre hommes et on rejette le savoir-vivre avec Dieu. Et beaucoup de gens ne veulent pas blesser les hommes, mais ils blessent qui? Ils blessent Dieu. Non, que cela ne soit pas
le cas pour toi, bien-aimé. Toi, sois quelqu'un de différent. Quelqu'un qui se bat pour Dieu. Quelqu'un qui vit pour Dieu. Quelqu'un qui renonce au mal. Quelqu'un qui refuse parfois même des choses qui te sont profitables. Mais tu les refuses parce que tu ne veux pas salir le nom de Dieu. Cité de refuge. Ne vivons pas seulement par rapport à nos besoins. Vivons par rapport aux intérêts de Dieu. Lorsque nous vivons par rapport aux intérêts de Dieu, Dieu s'occupe de nos intérêts. Lorsque nous mettons Dieu à la première place, Dieu nous met aussi à la première place. Il y a quelques semaines, j'allais prêcher à notre église de Mboudi. Je crois que j'étais dans le véhicule avec un frère et une sœur de l'église. Nous allons là-bas. Et il y avait une chose pour laquelle je me battais depuis longtemps. C'est au début du mois de septembre que j'ai prêché là-bas. Maintenant, j'avais tout fait ce que je pouvais faire et je n'arrivais pas à trouver une solution. Maintenant, il fallait choisir entre aller voir quelqu'un pour résoudre ce problème-là ou aller prêcher. J'ai dit non, je vais prêcher. Et je suis parti. Pendant que nous arrivons à une station, là, je reçois un mail. Et j'ouvre le mail. Donc la chose pour laquelle je me battais, je l'ai eu facilement. À quel moment? Au moment où moi, j'étais à mon poste. Quand tu es à ton poste, Dieu est aussi à son poste. Quand tu es, n'écrivez pas cette parole-là. Écrivez le verset biblique. Quand Dieu est à son poste, quand tu as ton poste, Dieu est à son poste d'exaucement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et ces choses, bien aimées, je ne les dis pas pour vous flatter, pour que nous. Ce sont des choses qui sont sorties de la Bible que j'ai vécues moi-même comme ma propre vie. Pour vous dire que s'il y a quelqu'un qui est fidèle, c'est Dieu. S'il y a un fidèle, parce que quand on dit infidèle, et Ob Manet est infidèle. Non. S'il y a fidèle, c'est Dieu. Ou s'il y a fidélité, c'est Dieu. Alors nous devons apprendre cela. Et Dieu qui est fidèle, il regarde aussi des hommes fidèles. Dieu est zélé pour toi. Il attend aussi que tu sois zélé pour lui. Cultive le zèle pour Dieu. Et la Bible le dit. Le zèle s'oppose à la passivité. Bien aimé, il y a des choses, il ne faut pas attendre que le pasteur le fasse. Il y a des choses. Je vais nous dire, bien aimé. L'année passée, lorsque nous avons senti qu'il y aurait confinement, l'apôtre était aux États-Unis. Mais c'est nous-mêmes qui lui avons écrit. Nous sentons qu'il y aurait confinement. Nous demandons la permission, je demande la permission que nous ayons des cultes en ligne. Il y a des Josué parmi nous. Il y a des gens qui peuvent nous rendre meilleurs. Vous pouvez rendre vos pasteurs meilleurs. Vous pouvez rendre, je répète, vous pouvez nous rendre meilleurs. Je répète encore, c'est vous qui devez aller vous battre. Non, votre amen est toujours petit. C'est vous qui devez vous lever pour vous battre. Parce que la victoire, elle est à vous. La victoire, elle est à vous. Vous devez vous lever, vous battre. Aujourd'hui, vous battre pour l'œuvre de Dieu. Vous battre pour la cité de refuge. J'ai commencé par l'œuvre de Dieu parce que l'œuvre de Dieu va au-delà de la cité de refuge. Et la conséquence, c'est quoi? Dieu va s'occuper de vos familles. Dieu va... Écoutez, bien-aimé. Dieu ne s'occupe pas de nos familles quand nous avons prié. Dieu s'occupe de nos familles quand nous sommes en lui. Ça devient une obligation pour Dieu. Dieu nous veut heureux. Et il sait que pour que nous soyons heureux, il faut que nos familles soient heureuses. Je t'exhorte, ce n'est pas mauvais de prier pour la famille. Je te pousse même à prier. Mais si tu n'es pas en Dieu, tu peux prier du matin au soir. Tu peux trouver des solutions comme tous les hommes. Mais tu ne trouveras pas de solutions venant réellement de Dieu. Et maintenant que nous sommes au mois d'octobre, nous approchons de décembre, le zèle pour Dieu doit te pousser à te poser la question. Depuis décembre de l'année passée, nous avons dit cette année c'est foi. Quoi encore?
Après foi quoi? Après prodige. Après signe et miracle. L'année ne doit pas finir sans que tu n'aies vécu ces choses. Bien aimé, il faut qu'on arrête le temps des slogans. Il faut le temps où nous vivons les choses. Et c'est ça notre aspiration. Nous voulons vivre. Y a-t-il quelqu'un qui veut vivre ces choses? Sois zélé pour Dieu. Il y aura des déserts. Comme nous avons cité, après cela, celui de Sinaï, Yatin, il y a tout ça. Mais si tu es zélé pour Dieu, tu entreras. Même si Moïse n'est pas entré, Josué est entré. Même si Moïse n'est pas entré, Caleb est entré. Même si Moïse n'est pas entré, en fait, quand je dis Moïse, même si ceux qui ont commencé la cité de refuge, ceux qui étaient des intercesseurs au commencement, même si elle n'entre pas, toi même si tu es devenu à la dernière heure, toi tu entreras. Nous sommes l'église qui a reçu l'enseignement des ouvriers de la dernière heure. Dieu étendra sa main, Dieu bénira, parce que c'est un Dieu fidèle. Comprenez une chose, il y a des enfants qui sont nés à Kadesh Barnea, c'est-à-dire dans la dernière ville, avant d'entrer dans la terre promise. Ceux qui étaient sortis de l'Égypte ne sont pas entrés, mais ceux qui sont nés à Kadesh Barnea sont entrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui n'ont pas vécu Mara. Il y a des gens qui n'ont pas vécu Elim. Il y a des gens qui n'ont pas connu le désert de Sin. Ils ont commencé la vie à la fin. Mais puisqu'ils sont entrés, ils sont en Dieu, ils vont entrer. Mais il y a aussi des Caleb. Ils étaient là depuis le commencement. Ils sont entrés. Sois seulement en Dieu. Que tu sois venu avant, que tu sois venu après. Sois seulement en Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Je t'invite à te lever. Je nous invite à nous lever. Nous prions chacun aussi avec son sacrifice entre ses mains, c'est-à-dire avec son offrande. Deux choses pour lesquelles nous allons prier. Nous prions pour le zèle. Le zèle pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Et la deuxième chose, pour le sacrifice que tu as entre tes mains. Que Dieu étende sa main. Et qu'il bénisse. Commence à prier pour ton zèle, pour l'amour particulier pour Dieu, pour l'amour véritable que tu as pour Dieu. Alléluia. Élève la voix, cité de refuge, et prie à haute voix. Alléluia. T'aimer de tout mon cœur, t'aimer de toute ma force, t'aimer de tout mon moi.